Hey, salut les minutes, c'est Golric. Allez, on est reparti sur un nouvel épisode sur Humanise. Dans les épisodes précédents. Ouh, mes portes sont fermées. Ah, ça, par contre, c'est débile. Je gère ma partie, mes portes sont fermées. Je suis obligé de les recasser. Ah, ça, c'est un peu dommage. Voilà, c'est ce genre de défaut qui me. Voilà, qui me fait un peu rager. Voilà, la durabilité de ma hache, je vais prendre un coup. Alors, sachant que j'ai mis quasiment tout mon loot dedans. Bon, c'est pas grave. Dans les épisodes précédents, on a récupéré énormément, énormément de ressources. Et les ressources sont derrière ces portes. Ouais, il est impossible de les ouvrir. C'est pas grave. Donc, j'ai récupéré de quoi bien construire. J'ai récupéré avec du mal des quelques clous. Bon, c'est pas trop grave. J'en ai récupéré. On va essayer de récupérer, de fabriquer, ouais, il va falloir le marteau, il va falloir que je fabrique quelques établis, oups, non, c'est pas ça, c'est B, s'il te plaît. Donc on va fabriquer, donc ça j'en ai pas besoin, on va dire ça. Alors attention, il n'y a rien de spécial. C'est là. On va appliquer ça là. Et enfin, on va appliquer ça automatique. J'ai rien sur moi. Bah, si, la pierre. Donc, deux de bois. Un ciment. Et un caillou. Alors, le ciment, il y en a dedans. On va prendre les deux tout de suite. Voilà, je vais être tranquille. Le fer. Ça, c'est bon. Ah non, c'est du chep métal, ok. C'est ça qu'il me faut. Un B. Bon, caillou et deux de bois. Bon, ça va aller vite. Si je peux fabriquer. Hop, caillou ici. Si je pourrais fabriquer mes clous après grâce à. On va dire aux établis que je suis en train de fabriquer. Moi, je gagnerai du temps. Il me faudra juste de la ressource comme sûrement du métal. Ouvrir. Regardez si j'ai pas un rocher que je peux. Oh, j'ai plus mon. Là, peut-être derrière un rocher que je pourrais casser, comme j'ai la pioche techniquement dans mon pick-up. J'ai eu du mal à revenir avec mon pick-up parce que bah il était un peu de tension. Mais bon, voilà, j'ai oublié de quand même récupérer un tournevis pour pouvoir vraiment rentrer parce que j'y allais beaucoup plus vite à pied qu'avec mon pick-up. Il n'y a pas l'air d'avoir de cailloux. N'y a pas l'air d'avoir de cailloux de roche que je peux démolir. Au moins dans les alentours, bon, c'est pas grave. Peut-être là, non. Ah, si j'arrive à trouver ça, j'irai chercher la pioche vite fait.
pas une grange. Pareil à caillou. Allez, ramasse-le. Ouais, comme je tousse, je l'ai. Faut pas alerter. Wouah! Comment je l'ai envolé? Toujours quand même à la recherche de clous, à la caillou. Mais combien? 4. J'aurais dû regarder quand même. Bon, bon, fallait. Ah, ça c'est bon, ça va. C'est pour apprendre. Essayer d'avancer un tout petit peu comme ça. Bon, je perds un peu de temps. La récupération d'une ressource assez basique, on va dire ça comme ça. Et comme vous pouvez le remarquer, il y a plein de gros rochers. Il n'y a pas de. Je préfère faire attention. Comme mes portes là-bas se sont mis. Voilà, eux ils sont là. On aurait douté, je sais pas pourquoi. À tous les coups, il y a un système de repop dès que je coupe totalement le jeu. Oui, parce qu'entre ma deuxième et troisième épisode, je n'ai pas vraiment coupé et j'ai lancé la vidéo quasiment dans la foulée. Pour éviter que je perde trop de temps, que je puisse pas lancer une vidéo assez rapidement. Ah, caillou. Ah, petit, ça devrait être bon. Il va manquer un. On doit douter, putain. Il y en a pas un là? Si, il y en a un. Voilà, donc deux bois. Donc là, il me faudrait que du. Ouais, de l'iron refondu, refond, ouais, un truc comme ça, et un morceau de bois. Ah, il y avait un caillou là, on va le prendre. Ouais, mais partant.
Ouais, je le vois pas totalement. Voilà. Si je peux faire des clous, après voir si je peux faire fondre le métal. Donc je peux fondre le métal qui est là. Voilà. Ok. Quoi, je peux pas m'en servir, il faut quoi? Me dit quoi? Ouais, désolé quand on connaît pas l'anglais. Ouais, peut-être du ressources de ressources minières. Ouais, il me faut vraiment leur trouver du de la pierre, bah, des cailloux. Bah, ce que je vais faire, on va déjà défoncer ces portes et puis on va avancer, tant pis. Plus de stam. Ouais, niveau poids. On va le mettre là-bas. Parce qu'il boit. J'espère que ça pas rêve tous mes ressources que j'avais mis dedans. Non, ça me rassure. J'ai quand même eu peur sur le coup. Parce que vu la quantité de ressources, je les bougerai. Je les bougerai ultérieurement. Pour l'instant, tant pis, je fais pas trop le choix. Je vais les laisser là. Vu que j'ai très peu de clous. Allez, dépêche. Ah, il me semble qu'il y avait des clous en rond. Ah, je vais le mettre là. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, je peux le consommer. Une fois, ça donne ça? Ça donne ça, non. Allez, on va essayer de chercher de quoi miner, trouver peut-être du fer.
essayer de trouver une quincaillerie, ça serait bien. Et merde. Ouais, c'est toujours la même touche. En tout cas, il n'y a pas pris de dégâts, il me semble pas. Il faut que je fasse des tests. Même une pharmacie. On va trouver une petite pharmacie, ça serait bien. Ah, c'est juste pour ok, mes tickets, c'est ça. Je vais laisser tout dedans. Par contre, ça met du temps. Ça, c'est bien. Ah oui, j'avais dit pas ça. Ah, un véhicule ici. Sur le coffre. Bon bah j'ai une batte en plus. Là mon véhicule sera changé quand je trouverai vraiment un gros fourgon. Ah, la musique elle me fait vraiment penser à celle de Remord. Ouais, c'était pas là-bas que je voulais aller. C'était de l'autre côté. Et là, ouais, c'était bien. Je vais faire le tour, voir ce qu'il y a grossièrement. Des garages. Ah, j'ai pas, je l'ai pas. Pas de pied de pige pour l'ouvrir. Oh, je peux le prendre. Il est cassé. Il n'y a pas beaucoup d'essence. Et l'emplacement 1, 2, 3. 3. Ah, une pelle. Ça, c'est bien. On va la mettre tout de suite dans le fourgon. Et ça, pareil. Dans le noir, ça pourrait peut-être servir. Oh non, pas un chien. Et les chiens sont chiants à tuer. J'ai déjà rempli ma camionnette. Ça c'est chiant.
Youpi. Ça a l'air, c'est tous les zombies à côté. Mais c'est pas grave. En tout cas, purifier l'eau, j'ai vraiment pas mal d'objets. Ça, c'est cool. Et plus des clous que j'aurais voulu. Encore un véhicule. Ah, oh, petite biche. Et je vais te l'appeler là. Batterie. Pareil, bah, il faudrait que je revienne ici une fois vide. Intéressant. Quand on a compris à peu près le principe des zombies, cela c'est je vous donne un ou deux coups et vous faites un pas en arrière. Des clous! Le jour que j'arriverai à trouver une boîte de 100 clous, je vais être heureux. Je vais faire les baraques qui sont là-bas au bord. Je reviens 3 jours, oui. Là j'ai tout à récupérer, bon bah ça tombe bien, il y en a deux côte à côte, c'est excellent. Mon inventaire est quasiment vide. Profitez pour boire un coup, pas de zombies autour. Vous voyez, on survit très très bien. Je suis pas encore mort, il me semble pas. Désolé, mais de la nourriture, j'en ai un gogo. Encore un chien.
Un chien zombie, ça m'avait pensé un petit peu à Resident Evil. Je m'amuse un peu sur ce jeu. Ok, donc ça c'est pour faire de la poudre explosée. Okay. Ça je vais les noter sur la carte comme c'est pas très loin de chez moi. Et là, voilà. Okay. Pareil, on va en récupérer pas mal. Alors, la map ici, on va faire ça en bleu. Iron salpêtre, ça va salpêtre, hein. À peu près bon. On va pas chercher à comprendre. Bon, ça va, c'est pas très lourd. Avec la couleur à savoir, c'est qu'il y en a plus, ok. Ok. Bon, c'est pas trop grave, au moins, c'est noté. Ouais, faut passer par là. Moi j'ai toujours pas trouvé de fourgon. Dans ma partie précédente j'en avais tout plein et dans cette partie j'ai pas grand chose. Oh là. Ah, je sais pas du tout. J'arrive pas à comprendre ce qu'ils veulent exactement. Le forage. Bon, c'est pas grave, je vais pas trop m'embêter avec tout ça. Le plus chiant, c'est qu'il me faudrait. On va regarder ce que je peux construire d'autre. C'est pas grave, comme établi. On va essayer de faire ça, mais pareil, il me faudra des clous à partir de là. Bon voilà, on va faire ça. On est toujours à la recherche de clous. Que j'arrive à trouver de la place pour m'arranger tout ça. Que là-bas j'en ai encore de la place. Très peu.
très peu, mais ça. Je peux le reprendre. Là, j'ai plus la place. Là, c'était pas un coffre, non. Ah là, j'ai plus de choses dans ce coffre-là. Il est quasiment full. Ah, ça, à tous les coups, ça dispawn. Tous les coups, ça dispawn. Punaise, je peux pas mettre les objets dans les coffres comme ça. Ouais, il faut que je récupère des clous assez rapidement. Ça c'est bon. On va prendre ça sur moi. Et on va garder ça sur moi. Allez, c'est bon. On va reprendre un kit un peu de réparation. Regardez s'il n'y avait pas ce fameux... Là il me dit... Ah c'est ça, drill kill, il est là. Il me faut ça. Et du bois j'en ai... Là-bas dans le coffre, là-bas. Une hache, allez. Allons chercher la hache. Le pire c'est que je cherche alors que c'est sous mon nez. Ah, si tu remets ce Brady par Brady. On va en faire plusieurs. Et on va aller rechercher l'iron. On va essayer de faire des coups. Bah si j'arrive à faire au moins ces fameux coups de brin là qui m'énerve de trouver là. Je vais faire une dizaine de coffres. Ça c'est quasiment sûr. Jamais j'essaye.
Les clous, je vais pas les laisser là, ça me fait un peu peur maintenant. Ah, je vais prendre au cas où. Voilà. Donc là j'en ai pas besoin, donc c'est pour faire apparemment des cartouches de munitions. On va faire d'abord du fer comme ça. Moi je préfère l'enclume. Combien de temps? Voilà. On va attendre le dernier. Même si le dernier j'en ai pas trop besoin, ça j'irai en rechercher. Ah si, il va m'en faire manquer un. C'était deux. C'est pas grave, je vais reprendre. Je vais reprendre ça. Et je vais repartir à l'aventure. Hein. Il y a pas, il faut faire. Ça m'en a utilisé un. Est-ce que c'est tout le temps? Je ne sais pas. Ouais, j'ai quoi là dans mon inventaire? Peut-être du bois. Ici. Ah ouais, je les avais les clous. Donc je peux le faire. Faut du métal. Ah, des clous avec ah, du crabe. Ok, bah c'est bon, bah, je vais faire des clous. Ah, go. Allez, c'est bon, les gars, on est parti. On va commencer à faire nos coffres, tout transférer ici pour protéger au maximum. Donc, on va démolir l'ensemble. Des véhicules qu'il y a ici. Après, j'irai chercher du bois. Je mettrai une porte. On va essayer de protéger ici. Comme ça, au moins, mon véhicule, il pourra rentrer tranquillement. On va essayer de bien placer dès le démarrage. Moi, j'ai encore des objets de véhicule. Là, pas avec moi, m'en aurait douté. Donc là, j'ai les clous. J'ai pas mal de scrap, donc ça, c'est bien. Donc en tout cas, je récupère une petite partie que je faisais dans mon inventaire, des choses en plus. Je pourrais refabriquer une arme supplémentaire, donc ça c'est bien. Ça c'est tout d'arbalète, c'est cool. Ah, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Fabricant. J'avais vu peut-être ça.
Voilà, ça me permettra de me protéger des températures et si je ferai la popote dedans. Ça c'est bien. Mettons, j'avais vu c'était celle-ci. On va la coller au maximum ici. C'est bien planché, on est bien d'accord. Non, je peux l'avoir, c'est encore celle-ci. Voilà. Tourner légèrement. Voilà. Ouais, il va me falloir pas mal de clous. On va appliquer la défense pour ici en priorité. Non, les coffres en priorité. Parce que j'en ai déjà perdu, il suffit comment que je viens requitter. Il y a des cas, les coffres, je les mettrai à l'intérieur. Non, j'en sais rien, donc pour l'instant on va les mettre là. Une caisse de munitions. Voilà, ça c'est pour la hauteur. Là, une caisse d'armes. Et ça va aller beaucoup plus vite. Donc là, on va construire les défenses. J'ai ma hache. Je suis pas fou, pas vide. Non, il me faut au moins. Au moins ça. Stocker au maximum. J'ai soif et faim. Consomme, vas-y. Je vais boire et manger. Et après, bah, on transférera tout là. Ou à l'intérieur, ça va être bien. Bah, on aura une bonne petite défense ici. Pour moi, les zombies pourront pas passer par au-dessus. Merde. On regardera vers tout ce qui est culture. Allez, coupons du bois. Allez. Est-ce que t'es pas au millimètre près, ça passe pas. Maintenant que j'ai compris, pour récupérer des clous. Là, je récupère du bois à gogo. Moi, les trois coffres seront quasiment finis. 5, 10, 11, 12. Encore un arbre.
Bon, à la base, on va dire, en peu de temps, elle a été construite ici. C'est vrai que j'ai pas perdu beaucoup de temps sur ça. Bon, par contre, on voit rien du tout qui traîne sur le sol. Voilà, je peux pas monter au-dessus, c'est bien. Pas monter au-dessus, c'est bien. Plus de bois? Ah non, j'avais que vraiment la quantité. Voilà, c'est tout bon. Alors ici, on va mettre tout ce qui est nourriture eau. Ah, on va bien ranger. On va ranger ceux-là aussi. On va quand même garder ça. J'ai encore les flèches de l'arbalète. On va regarder dans tous les coffres maintenant. Alors, je prends tout ce qui est nourriture et eau. Quitte à prendre deux coffres. Ça, je vais les ouvrir. Ah là, je suis content. Ça nous permettra d'avancer. Ouais, j'aurais perdu un peu de ressources, donc voilà, chance à ne pas faire. Parce que ben non, le coffre qui était rempli, je regarderai quand même les épisodes précédents. Mais pour moi, mes coffres qui s'étaient remplis ici, sur ça, c'est sûr et certain, quoi. Sur lui et sur l'autre. Je pense que ça despawn, et en plus, comme là, mais comme on a vu, ça s'est remis normal. On va dire crane, on va le garder quand même. Et s'il n'y a que les munitions. Et là, c'est sûr qu'il n'y en a pas. Donc, je crois que c'est bon. Hein. J'ai fait le tour. Je crois que c'est bon. Allez. Ah si, je suis pas au bon... Ok. Non, non. Je vais quand même tous les ouvrir, ces bras-là. Alors, open, 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 open. Voilà. Faire de l'eau tout de suite. J'ai les gélules, j'ai le. J'ai tout pour le faire. Tout est belle. Tout est rempli, mais moi, il me faut au moins
de la nourriture. Alors, ce que j'ai de plus, c'est ça. On va prendre ça. On va pas en prendre 50, j'en ai des petits des paquets différents, mais on va les garder comme ça. Objet de construction. Dernier médicament. Pour moi, il vient juste de réapparaître. Hein. Ah, il réapparaît là. Quitte à mettre un objet pour empêcher qu'il qu'il réapparaît, je le ferai. Oh, j'appuie sur ces terres là. Ouais, c'est quasiment beau, on va récupérer tout ce qu'il y a dans le véhicule là-bas. On va essayer de construire aussi le purificateur, bah, le récupérateur d'eau. Par moment, il m'accepte le CTRL et par moment, il me dit non, va te faire foutre. Ça c'est cool, jamais perdu de l'eau. Ici on va mettre quelques composants de véhicule. Et de quoi se soigner, je dirais que ça pourrait être bien. Alors, je suis déjà full. Oh. Je vais la mettre là, les piles de l'autre côté. Pareil, je pense pas que c'est rackable. Ça m'a l'air quasiment bon. Ouais. Allez, on va mettre le reste là. Ça
sert un câble par deux. Ok, bon, tant pis, c'est pas grave, on va le mettre là. Donc c'est bien. C'est bien, bon, pour l'instant c'est bon. On va essayer de regarder aussi. Alors. Carte, donc batterie, c'est ça? Ouais. Donc là, il faudrait une batterie. Oula, ça va. J'en ai. J'ai quasiment tout. J'ai quasiment tout. Donc on peut essayer de fabriquer ça. Mais non, j'avais dit que je voudrais. Oh, ma hache. Oh, et ça, on va la ranger là. Pas besoin de les garder. Là, j'ai vu. Il me faudrait du scotch. La bâche, je l'ai vu quelque part. Là, et comme par hasard, je n'ai pas de scotch. Ça a dû despawn. On va quand même regarder tout le restant. J'ai que j'en avais récupéré, ça, c'est sûr et certain. C'est dans un véhicule que qui a disponible. Ah putain, fait chier. Désolé pour mes mots, mais ça me fout les boules de. Voilà, j'ai récupéré quand même des ressources. Bah forcément qu'ils ne sont plus de l'autre côté. Hein. Il faut que je refasse des maisons pour pouvoir les récupérer. My god, je t'ai ouvert 50 fois toi. Bah vous voyez, regardez, les véhicules là, ils leur loot, voilà, j'ai récupéré deux batteries en peu de temps, un bug au corps de jeu, bon voilà, moi je trouve ça quand même assez problématique, ce genre de petits bugs. Donc j'en avais, ça va du scotch là, on va tout enlever ici quand même. C'est que je recrée une coffre, un coffre, c'est moi, une coffre, je sais pas pourquoi j'ai ça. Ah non, attends, hop. C'est quoi ça, hop? Il y a du scotch sur le coup. On va déjà stocker tout ça. Là. Ça, je vais s'ouvrir, tant pis. Ah, il faudrait que je m'oriente plus sur l'anglais parce que là, ça commence à me saouler. Alors, nous disons donc.
Regardons ce que ça signifie. Mais voilà. Corde. Gros. Et la corde, je peux en avoir. Quoi, j'en ai vu. Voilà, en plus, je passais juste à côté. Donc là, on va aller récupérer du bois, reprendre la hache. Ici, voilà. Donc vous voyez, je me suis posé quand même ici pour dire, bah voilà, je crée ma base. Les zombies spawnent là. Donc je vais peut-être essayer de recréer un objet ici à côté. N'importe quoi, une caisse ou quoi, une caisse. Coup, caisse, ouais, il y a les rhumes. C'est tout là, un petit truc pour... Voilà. Comment tu lâches? Voilà, comme ça, X. Voilà. Voilà, comme c'est dans le sol, je le vois pas forcément. Essayer de récupérer un maximum de bois. Ouais, je peux fabriquer au moins les armes. Je peux fabriquer ça aussi, au moins dès qu'il pleut. Un zombie derrière. Pas un zombie. C'était un militaire. Non. Bon. Je sais que c'est bon tout ça. C'est bon. Donc là, il va me falloir encore donc des clous. Scrap metal, j'en ai pas par contre. Je vais en avoir encore. Des clous et scrap metal. Log donc 8 troncs, ça va être vite réglé ce bras là aussi. Waouh, pas mal d'armes ici. Déjà mettre ce que j'ai, ça va être loin à transférer.
Bon, comme ça, moi, je pourrais aller chercher les armes. J'ai à droite et à gauche, remplir quelques caisses comme ça. Trois emplacements, trois emplacements, mais j'en récupère deux. Il me faudrait au moins deux coffres. Ouais, il faut encore 4 coffres. Bon, bah moi je dis que c'est excellent, hein, franchement. On a très bien avancé. On a vu que au moins j'ai pu récupérer enfin ces fameux clous. Hein, depuis le temps que je les voulais. Depuis le temps que j'ai cherché aussi. Dans le prochain épisode, on va essayer de fabriquer au moins. De quoi vous faire à manger, peut-être celui-là aussi, qui sera très facile, peut-être pour fabriquer des armes, ça serait bien, armes, munitions. Hors caméra, je vais finir de démolir, je vais finir de démolir les véhicules qui sont ici, sur ça il n'y aura pas de problème. On va essayer de finir les portes dans le prochain épisode aussi. Finir construire la base. De vraiment bien s'installer. Surtout ici, on aura vraiment, vraiment, vraiment du potentiel. Surtout que, comme vous avez pu voir, les personnes font le tour. Hein, ils peuvent pas monter là. Donc ça, c'est super. Bon, c'est un inconvénient aussi parce que moi non plus, je peux pas m'échapper. Mais au moins, je pourrais mettre des défenses autour. Sur ça, il n'y aura pas de problème. Surtout qu'il y a pas mal de choses encore à construire pour les défenses. Mettre ça, à la rigueur. Là, il faudra du barbelé, mais du barbelé, bon, voilà quoi, je peux en fabriquer maintenant. Donc, ça va être très, très, très vite à fabriquer. Voilà, on a une protection, on a de quoi survivre maintenant. On a de quoi crafter un peu mieux. Donc, on va essayer de crafter un peu plus. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, au moins, faites pas comme moi, ne cherchez pas les clous, construisez-les directement. Surtout que ici, bah voilà, vous avez quand même pas mal d'objets à récupérer. Vous pouvez récupérer en plus des véhicules comme ça, à droite et à gauche, pour ça c'est super. Au moins, l'avantage c'est qu'en cassant ces véhicules, il y a toujours la possibilité de récupérer des outils, ou du matériel plutôt, de fabrication ou de réparation pour les véhicules. Ça y est. En tout cas, laissez-moi un commentaire, un pouce, ça me fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Allez, ciao, ciao, les bisous, à la prochaine.